Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, et c'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple, pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui est arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au cœur de cet évangile, il y a une phrase qui a retenu mon attention particulièrement, où on dit, quand les femmes se rendent au tombeau, on dit « c'était encore les ténèbres ». On réalise pas toujours ce dans quoi les disciples et ceux qui suivaient Jésus ont été plongés. Dans un deuil, évidemment, comme plusieurs personnes connaissent. Dans un deuil venant d'une mort violente quand même, Jésus a été mis en croix. Dans un deuil provenant aussi d'une injustice, Jésus qui avait été bon toute sa vie, puis qui finalement est mis à mort. Et dans un deuil aussi qui était dur parce que les gens avaient mis leur espérance en lui, leur foi en lui, et tout à coup, celui en quel on croyait disparaît. Alors l'Évangile dit, c'était les ténèbres. Ce qui va chasser les ténèbres, ça va être quand les disciples vont se rendre eux-mêmes au tombeau, qui vont constater simplement l'absence du corps, et ils vont être capables de faire déjà un acte de foi, de croire que Jésus est ressuscité. Et cet acte de foi-là va être amplifié, évidemment, lorsqu'ils auront la joie par la suite de le voir apparaître, ressuscité, de constater qu'il est vraiment vivant, qu'ils le sentirent, qu'il est présent dans leur vie. Et les disciples, c'est une des belles preuves de la résurrection, selon moi, ils vont être de grands témoins. Ils vont se rendre, annoncer partout, et vont même être prêts, plusieurs, à donner leur vie, tellement ils sont certains de cette réalité de la résurrection. C'était les ténèbres, ça arrive aussi dans nos vies, à chacun d'entre nous. Ça peut arriver pour un deuil, évidemment. Ça arrive. C'était des ténèbres, ça arrive pour toutes sortes d'événements qui surviennent dans nos vies, qui nous marquent, des espoirs qui sont abattus, des certaines déceptions que l'on vit. Les ténèbres sont là dans nos vies. Mais en ce jour de Pâques, nous disons qu'il n'y a jamais de ténèbres sans horizon. Grâce à la résurrection de Jésus, grâce à la vie nouvelle qui nous a montré au-delà de la mort, tout ce que nous vivons n'est jamais sans horizon. Le Seigneur veut toujours nous donner de l'espérance pour cette vie sur terre, pour la vie éternelle. Nous savons qu'il est vivant, nous savons qu'il est là à nos côtés, nous savons qu'il nous soutient, que nous pouvons nous tourner vers lui. Alors, en ce jour de Pâques, célébrons la résurrection du Seigneur. Cette grande nouvelle a été confirmée par des générations de gens qui ont senti la présence du Seigneur dans leur vie. J'imagine que vous aussi, vous le sentez, et même si vous n'avez pas la grâce de le voir comme les disciples, vous avez la grâce d'accueillir sa présence dans vos cœurs, dans vos vies. Alors que le Seigneur, en ce jour et tout au long de l'année, soit quelqu'un qui illumine vos vies, qui vous donne espérance, qui vous ouvre des horizons, et qu'au-delà même de la mort, qui est notre plus grande limite, eh bien cet horizon de la vie nouvelle, de la vie éternelle manifestée en Jésus, qu'elle soit là pour vous donner confiance et espérance.
Alors à vous tous, je souhaite une très belle fête de Pâques, remplie de cette présence du Seigneur ressuscité, que vous soyez à même de la rayonner aussi pour tous ceux et celles qui n'ont pas la grâce de connaître le Seigneur, de connaître la bonne nouvelle de sa vie nouvelle, et qu'il daigne vous bénir, vous et vos proches, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.